Eh bien, bonjour à tous, c'est Willy Jamon et bienvenue, très chers amis, en ce 30 avril 2016 dans un live. Alors, ce live, qu'est-ce que c'est? C'est le sel. Le sel, c'est quoi? C'est une série en live, tout simplement. En fait, c'est quoi? Je vais m'amuser à faire une partie sur Minecraft, mais en mode hardcore. C'est-à-dire que je n'aurai qu'une seule vie. Si jamais je meurs, bah tant pis pour moi. La partie sera supprimée, tout simplement. Donc voilà, ça risque d'être drôle, il risque d'y avoir des fails, de ce que je sais du mode hardcore, on ne peut se soigner que avec des potions de soins. Donc bon, c'est pas cool pour moi, étant donné que je suis pas un grand fan des potions. Ça a peut-être changé dans la version 1.9.2 de Minecraft. Il faut savoir que j'ai pas lancé Minecraft depuis la 1.7. Si ma mémoire est bonne, donc ça va être drôle. À ce qui paraît, il y a pas mal de nouveautés, mais je suis jamais allé les voir, donc je vais peut-être trouver. Je vais peut-être trouver ça pas mal. Alors, donc, solo. On va se créer un nouveau monde. On va mettre, évidemment, le sel. Parce que, oui, voilà. Alors, mode de jeu survie, plus d'options. Alors, donc, structure, oui. Type de monde par défaut. Commande, oui. Oui, pourquoi oui? Parce que je m'autorise à me mettre en mode créatif uniquement. Et attention, je dis bien uniquement. Non, en hardcore, on régène. C'est en ultra hardcore qu'on ne régène pas sans pomme en or. Sérieux? Oh, bah si en hardcore, on régène, c'est bon. Mais on n'a qu'une vie en hardcore. Hein, si jamais je dis pas de conneries, c'est ça. Hein. Parce que là, je suis en train de parler aux gens qui m'écrivent sur le chat. Au passage. Donc voilà, ça risque... Les épisodes risquent de durer très longtemps. Mais c'est une série que je ferai uniquement en live. Il n'y aura pas de vidéo autre que ça. C'est pour les samedis où je me fais chier, je poste ça le dimanche. Ça vous fait une petite vidéo en plus et ça vous fait plaisir. Donc, les commandes, oui. Oui, voilà, on n'a qu'une seule vie. Merci Théo. Donc, les commandes, oui. Pourquoi? Parce que je veux mettre des blocs de commandes. Si jamais je veux me téléporter à un point ou à un autre, je veux pouvoir le faire sans forcément faire des milliards de kilomètres. Et c'est uniquement pour ça que je m'autorise les commandes. Si jamais je pouvais faire ça sans m'autoriser les commandes, je le ferais. Malheureusement, je peux pas. Ok, donc ça, c'est cool. Alors, attendez. Excusez-moi. Le papier, c'est là. Le crayon, est là. Voilà. Non, ça dégage. Et moi, j'ai fait plein de trucs à chaque fois. Ça dégage. Parfait. Petit papier. Petit stylo pour noter d'éventuelles coordonnées. Hop. Attention. C'est parti. Donc, les épisodes risquent de durer un moment. Hein, donc, si jamais vous n'avez pas le temps, ou si vous m'avez un dimanche, vous vous faites chier... voilà, préparez-vous un casse-dalle, ce que vous voulez, vous avez l'habitude, quand je fais des lives, en général, ça dure entre 1 et 3 heures, hein, au moins. Alors, je suis où, là? Je suis en symbole, non? Il y a déjà des loups, voyez-vous ça? Ok, donc ça, c'est cool. Putain, la vache, ça change, je joue à Minecraft, bordel. Ça fait un moment. Ok, donc déjà, on va pas perdre de temps. Hop. Alors en général, le son du jeu, je le mets pas trop fort. Je vais essayer de l'augmenter un peu, ne bougez pas. Difficulté, mais non. Difficulté. Mon de Dieu, je suis pas en mode... Bah si, en mode difficile, c'est ça. Hein. Pensez à la blague de merde. Ça me fait penser à une blague de merde, mais je la fais pas. C'est là que tu choisis hardcore. Donc comme t'as mis, tu pourras spawn. Oh merde! Oh merde! Bon ok, on dégage. Ok, excusez-moi, j'ai mal fait la manip. Toi, au revoir. Oui, voilà. Donc, créer un nouveau monde, disais-je. Ah oui, voilà, en effet, c'est ça. Donc, hardcore, tout à fait. Donc, on va la renommer Cell, tout à fait. Merci Théo. Alors, donc, plus d'options. Ah là, j'ai pas de recommande. Comment ça, j'ai pas de recommande? C'est une blague. Ouah, j'ai pas de recommande en mode hardcore. Oh, je suis deg. Oh, ça me fait chier, je vais être sincère. Oh bah du coup, je suis désolé, vous me verrez marcher. Marcher, encore marcher. En espérant que je me fasse pas tuer dès la première nuit, parce que j'en suis capable. Ok, donc terminé. Tac, tac, tac. Donc mode hardcore, c'est bon. Créer un nouveau monde, c'est parti. Et là, je crois que les mobs, ils sont très méchants. Très méchants. Alors, oula. Oh putain. What the f... Qu'est-ce que...
Oui, non, non, messieurs, dames, je suis pas très d'accord, là. Ok, stop! Ah oui, d'accord, ah, ça s'arrête même pas. Ah si, c'est bon, ça finit par s'arrêter quand même, pour trop tôt. Alors, là, j'ai un problème. Donc, mon pack de texture, il est adapté pour la 1.9, normalement, on va essayer de l'enlever, voir. Un hardcore, la difficulté... Oh, putain de merde. Ok, c'est pas le pack de texture, déjà, c'est sûr. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ce délire? En hardcore, la difficulté est sur difficile. Oui, Théo, ça je m'en doutais un peu. Et là, c'est ta carte graphique. Non, non, c'est pas ma carte graphique qui pète un câble. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mode hardcore, sans déconner, tu crois? Oh putain de merde. Ah, bah non. Qu'est-ce que... What the fuck? Top! J'ai dit. Excusez-moi. Je check la carte graphique. Ma carte graphique ne pète pas un câble. Elle n'a absolument aucune raison de péter un câble. Je refuse! Que ce soit ma carte graphique! Je vois pas pourquoi. Elle marche très bien sur Space Engineer. Pourquoi elle marcherait pas sur du Minecraft? Faut pas déconner quand même. Bon, tu te lances toi ou faut que je t'aide un jour, non? T'as spawn dans un arbre. Ah, c'est peut-être ça. Ah, pour le coup, oui, ce... Excusez-moi. Ah, oh! Oh, très joli ce bug. Qu'est-ce que... Oh, putain, la vache. Excusez-moi. Activité de la carte graphique 20%. Température 49 degrés, vitesse du ventilateur 36%. Il n'y a aucune raison qu'elle pète un câble, la carte graphique. Non, c'est pas ça. Si, si, je peux te promettre que ça vient de la carte graphique. Tente de redémarrer le jeu. D'accord. Ok. Bon, je tente de redémarrer le jeu, très chers amis. À tout de suite. Eh bien, ouais, chers amis, donc voilà, j'ai redémarré le jeu sur les conseils de Théo. Et là, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et en plus, je suis sur une plage. Et c'est pas magnifique ça. Alors c'est la première fois que je joue en hardcore depuis que j'ai Minecraft. Donc, à mon avis, ça va être drôle. Bon, vous connaissez hein, la technique de survie dès le départ. Alors là, il n'y a pas de mode. Il n'y a pas de mode, c'est Minecraft Vanilla. Hein. Là, il n'y a pas de mode. Et bon, je dois dire que je m'ennuyais un peu de Minecraft, donc ça me fait plaisir de rejouer. Toc toc toc. Ça serait plus rapide avec une hache. Oh oui, c'est vrai qu'on peut avoir des boucliers maintenant, j'avais entendu parler de ça. Toc toc. Voilà. On va se mettre sur la plage. Pouf. Ok. Toc. Toc. Pof. Alors. Nous disions donc une hache pour monsieur. Voilà, une pelle pour monsieur. Voilà. C'est pas comme ça que ça se fait, c'est comme ça. J'ai un ordre précis. Toc et toc. Une pioche pour monsieur. Oh non. 1,2 de vitesse d'attaque, 2 points d'attaque. Ah, oh, c'est cool ça, c'est noté. Je crois que c'était pas noté avant. En appuyant sur F avec un objet dans ta main, il part dans l'autre main. Oui, tout à fait, ça j'en ai entendu parler, cela dit, a priori ça ne sert que quand on a un bouclier. Et d'ailleurs, je sais même pas comment on fait les boucliers. Ça, c'est la grande question. Hop. Magnifique. Ok. Un peu plus de bois, ça fait plaisir. Toc, toc, toc. Alors, j'ai aussi entendu parler d'un truc qui s'appelle Elytra. A priori, ce sont des ailes, de ce que j'ai compris. Cela dit, est-ce que ça fonctionne ou pas? Là est la grande question. J'ai jamais eu le temps d'essayer. Enfin, j'ai eu l'envie d'essayer, pour être sincère, je voulais essayer en live. Bonjour le poulpe! Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, tac, tac, tac. Si jamais je réussis pas à trouver un... ou à me faire une espèce de bâtiment, je m'enfermerai dans le sol, pour commencer. Quand tu mines, tu prends la pioche dans ta main droite et une torche dans la main gauche. Ah oui, c'est vrai que ça peut être sympa, ça. J'avais pas vraiment pensé. En parlant de torche, peut-être que je puisse me faire du charbon, on va récupérer un peu plus de bois. Toc toc toc.
Oui, des ailes, ça marche. Eh ben, si ça marche, c'est cool. Écoutez, moi, je dis oui. Ok, donc ça, c'est cool. Pas trop sprinter dès le départ, parce que j'ai pas vu de machin qui puisse me nourrir actuellement. On va continuer à rechercher. Plouf. Oh, dis donc, il y a des nouvelles particules dans l'eau. Ou alors, c'est les particules de base qui se sont mises, je sais pas. J'en sais rien. Tac tac tac, je vois des champignons, peut-être puis-je me faire des soupes. Les élytras se trouvent dans les villages de l'End. Ah bon? Il y a des villages en Ender, sérieux? Dans ces villages, en plus des élytras, tu as un coffre avec des items cheat. Ça, c'est cool. Il va falloir que j'aille faire un tour dans l'End, moi. Enfin, sans mourir de préférence. Tac tac, bon ça c'est un biome marais, j'aime pas les biomes marais, je les trouve dégueulasses. C'est les biomes marais, quoi. Qui voudrait vivre dans des marais à part des sorcières, hein? Sincèrement. Oh, bonjour la poule. Oui, non, 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 tu restes. Non, tu le bordel de merde. Non, mais oui, quand je dis de rester là, tu restes là, bordel. Ah, des moutons. Alors ça m'intéresse. Un bateau? Comment ça, un bateau? Pas besoin de bateau pour le moment. Parfait. Ah oui, c'est vrai que les moutons, ils donnent de la viande en prime. Ok. Par contre, il y a des nouveaux bruits, a priori. D'accord, donc ça c'est cool. De la laine à non plus finir, c'est cool, je vais pouvoir me faire un lit. Comme ça, je pourrais te passer la nuit. Non, mais reste là, toi. Ok, j'ai combien de laine en tout? J'ai 4 laines, ça va, j'ai de quoi me faire un lit. On va continuer à aller là-bas. Parce que je vais aller me mettre dans une montagne. Et c'est pas tellement un village, c'est un endroit où il y a une grande tour avec un bateau. Et c'est là qu'il y a les élytras et les coffres avec les items cheat. D'accord, bah écoute, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, je n'en savais rien, maintenant je le sais. Je vais prendre ça. Oh, putain, d'ailleurs, il y en a encore là-bas, ça peut servir. Hop, alors. Bah alors, non mais reste là, je veux pas te tuer, enfin pas tout de suite. Je fais du ninja moi, t'as cru quoi? Tiens là, tiens là, je te marave ta gueule, toi! Ça c'est fait. Ok, donc ça c'est cool, j'ai un peu de bouffe. J'ai un peu de bouffe, c'est sympa. Ah oui, par contre là je crois qu'on peut crever de faim. Il va falloir que je fasse les choses assez vite, moi. Mais je crois que là il y a de la canne à sucre. Ouais, et la canne à sucre c'est important. Ah. Ah, j'ai entendu du cochon. Piggy! Oh, il y a du charbon ici. Piggy, piggy, piggy! Pété, pété! Oh, piggy. Ouais, reste là, j'ai dit. Il y a du charbac. Charbac, il est où? Charbac, il est là. Hop. Ouais, falloir que je fasse gaffe à ça. Alors là, il y a une grotte. Je vais pas aller m'y aventurer de suite. Je vais me mettre ici. Alors là, j'entends des piliers au-dessus. Ceux-là, je ne vais pas les tuer par contre. Donc, étant donné qu'il y a moyen. Hop, je vais faire ça comme ça. Pof, 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 voilà. Voilà, comme ça, les mobs ne pourront pas venir me faire chier. Enfin, tout du moins, normalement. Ok. Pof. Suis-je bête? J'ai déjà ça. Hop. Tatatata. Et en 1.9, ça sert à rien de spam. Tu donnes un coup, tu attends que l'épée remonte et tu redonnes un coup. Ça fait plus de dégâts. Ah bon? Oh, c'est bon à savoir ça. J'en savais rien. Tac, alors. On va faire de quoi se faire un four quand même. Ok, ça va pour le moment, je gère bien. Donc faut pas oublier les bases, les fondamentales de Minecraft, évidemment. Merde, qu'est-ce que je fais, moi? Je vais bien venir ici. Oh putain, puis j'ai pas fait le four. Oh. Alors, toi, tu viens là, merci. Tu te mets là.
Parce que fuck. Alors, toc. Et pof, vas-y. Brûle, brûle, petit. Donne-moi de la bonne nourriture. J'ai un petit poulet. Je sens que je vais m'éclater, moi, cette nuit. Ok, ça c'est cool. Alors. Magnifique. Je vais pas m'écarter trop parce que je serais foutu de perdre la localisation de mon truc. Je vais juste récupérer encore un peu de bois. La 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 la. Ça c'est cool. Ok, ça devrait me suffire. Tout du moins pour l'instant. Parfait. Alors. Mais non, mais quel con. Mange. Parfait. Hop. Et dans l'end, il y a des mobs qui te font voler? Quoi? Comment ça, il y a des mobs qui me font voler? Qu'est-ce que ce délire? Ils ont craqué dans Minecraft, c'est pas possible. Ok, donc ça c'est bon. Alors maintenant, que puis-je faire? Je peux faire. Avant de faire ça, tout de même, faut pas déconner. Hop. Alors, oh putain, je suis débile. Toc, toc. Voilà, on va commencer par se faire ça. Pour moi, ça, c'est très bien. Ok, on va commencer à creuser. Alors je sais, j'ai une caverne juste à côté, je suis d'accord. Un mob qui, quand il te louche, non, quand il te touche, te donne l'effet lévitation qui te fait voler. Je crois 5 secondes. Ah, c'est bon à savoir, ça j'en savais rien. Comme quoi ça montre que je suis absent de Minecraft depuis très très longtemps. Toc, toc, toc. Ok, ça c'est bon. Donc, j'ai un peu de bouffe, ça fait plaisir. On va faire cuire ça. Il commence à faire nuit. On va se faire le lit. Comme ça, je serai pas emmerdé par les mobs. Toc. On va utiliser les laines qui sont pas de même couleur. Hop. Parfait. Un lit. Un lit que je vais m'empresser de mettre ici. Et hop, au dodo. Parfait. Ok. De toute façon, je peux le casser, je m'en bats les couilles. Si jamais je meurs, je suis obligé de respawn. Ok, donc a priori aucun mob n'a pu venir, je pense. Donc, on va continuer à creuser. Voilà. Pof. Il me faudrait du fer. Il me faudrait du fer assez vite. Ce serait sympa ça. Diams aussi, il me faut du diams. Il faut que j'aille dans les heures aussi. Oh là là, il y a tellement de trucs à faire dans Minecraft. Ok, donc ça c'est cool. Ah, cela dit, vous inquiétez pas, hein, je ferai pas tout dans cet épisode. Non, 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 il faut pas déconner non plus. Je ferai tout dans des épisodes séparés, même si ce sont des épisodes qui risquent de durer un petit moment. C'est pour ça d'ailleurs que c'est mis le dimanche, parce qu'en général, le dimanche, on n'a rien à faire. Soyons sérieux. Donc. Ça aide d'avoir des vidéos à regarder. Enfin, ça aide à faire passer le temps, tout du moins. Ok. J'en suis à la couche combien, là? X, Y, Z, à la couche 48. Très bien, très bien, très bien. Fais une connerie, là. Well. Si ça se passe bien. Ça va sur le live, tout est bien, tout est clean, tout est YOLO. Ah, du fer, nickel. Hop, encore un peu de fer, ça fait plaisir. Ah ah ah, j'entends du squelette. Et le dragon te donne de l'essence, je ne sais plus quoi, tu dois récupérer avec des fioles. Le dragon a une nouvelle attaque. Ah bon?
Qu'est-ce que c'est que ce délire? Quoi qu'en fait les gens les ont craqués. Oui, tout est clean. Bon, bah, si tout est clean, c'est bien. Alors. C'est bon, toi bien. Tac, tac, tac. Alors, donc du fer. Oups, on va prendre. Et donc, on va mettre le poulet à cuire. Et donc, ensuite, en bouche, je serai pas trop mal pour le moment. Voilà, j'ai 10 de fer. 10 de fer, c'est bien. Voilà, parfait. Ça, c'est cool. Alors, maintenant. Pof. On va mettre ça. Non, je suis idiot. Pour remettre ça, tu me diras. Vu que ça me sert plus pour le moment. Vu que j'ai des outils en. Vu que j'ai des outils en pierre. Alors. On va s'en faire une deuxième pour la forme. Parce que celle-là, elle va pas tarder à péter. Je vous le sens bien. On va se faire une pelle. Pour la forme. Pareil. Donc ça, après, ça va dégager. On va se faire une hache. Pour la forme aussi. Le voisin, ta gueule. Ok, oui, je suis très méchant avec le voisin. Enfin, en même temps, vu comment il me fait chier, hein, je vais être sincère. Ok, ça, c'est cool. Alors. Hop. Déroule longtemps ou pas? Non, pas tellement. On va mettre ça. Et donc ça, c'est 0,8 de vitesse d'attaque, 9 points. 9 points d'attaque, sérieux? Mais elle est pétée la hache en pierre! Bordel! Le dragon te crache de la Dragon Breath, qui te permet de faire de nouvelles potions. Pour récupérer le dragon, la Dragon Breath, faut faire un clic droit sur ce que te crache le dragon avec une fiole vide. Ah bon? Bon bah d'accord, admettons. Non, mais moi je suis d'accord. Hein. Yes, we're d'accord, yes, we're d'accord. Ok. Ensuite, on va mettre ça. Ok, jusqu'ici tout se passe bien. Je vais m'en prendre 3. Histoire de me faire des torches. Voilà, ça c'est fait. Ça va, rien à foutre. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est vrai, je sais pas ce qu'il faut. Ok. Voilà. On va en mettre ça à cuire. Le temps il est comment dehors, le temps il est bien. Toi le piggy, tu te tais, pour le moment je ne te tuerai pas. Pas la peine d'essayer de me tenter. Vous savez plus de choses que moi sur Minecraft, hein. Ça c'est clair que de ce côté-là, il n'y a pas à chipoter. Ok, donc ça c'est cool. La nuit sort bien avec une armure, sinon ça va piquer fort. Non, je fais quelque chose de beaucoup mieux. La nuit, je sors pas. C'est pour ça que je me suis fait le lit. La nuit, je ne sors pas. C'est mort. Je tiens pas à mourir au bout de 2 jours de vidéo. Enfin, au bout de 2 heures de vidéo. On va être sérieux. Ratata, la nuit, je ne sors pas du tout. J'essaie de garder mes points de vie à fond. Là, il y a du charbon que je récupère. Y a rien, ça va. Entends une chauve-souris, dommage que j'ai pas le mode morph. Ça me serait tellement plus utile. D'ailleurs, j'y pense. Musique et son. Bloc 14. 6 créatures hostiles 40%. On va mettre ça à 50. Parce que de là que. Je vous rappelle que j'entends que d'une oreille. Donc de là que j'entends pas, ça c'est un peu con quand même. Une épée à droite et une hache à gauche, et voilà. Oui, ça peut le faire éventuellement. Je préfère la bonne vieille technique du lit quand même. Hein. Putain, par contre, là, c'est une mine de charbon, quoi. J'ai trouvé la meilleure mine à charbon de Minecraft. C'est impressionnant. Hop. La dernière fois que j'ai vu autant de charbon, c'était dans Attack of the Betty. Hop. Ok. Ça, c'est cool. J'ai rien zappé. Tout va bien. Ok. Les mobs qui sont là n'ont pas besoin de monter, parfait. Voilà, qui est parfait.
Fait. Ça, c'est cool. Alors. Ça, c'est bon. Donc, le fer. Ok, donc ça, c'est fait. Je vais continuer à creuser, non? Je sais pas si vous l'entendez, le voisin, mais moi, il commence à me faire chier. Je sais même, je lui gueule dessus, mais on voulait pas. Encore du charbon, c'est magnifique. Ok, charbon, minage, minage. Mets ta torche à la main gauche dans les grottes. Oui, putain, c'est vrai qu'il faut que je m'y fasse à ça. Toc, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Comme ça, quand je fais clic droit, pouf, et donc là, je peux les casser. C'est parfait, c'est magnifique, je kiffe. C'est pratique, c'est sûr. Elles sont bien faites de mettre les deux mains. Mais qu'est-ce que... Y'a pas fini de gueuler, ouais. Ta gueule, parce que moi aussi je vais gueuler, hein. Tu... Merde, je suis con, j'ai une autre... Moi aussi je vais gueuler, hein. Tu vas savoir ce que c'est, hein. Laisse-moi te dire que ça va chier les bananiers, hein. Donc tu t'aimes. Excusez-moi. Alléluia, alléluia. Oh. Excusez-moi, excusez-moi. Faut pas m'en vouloir, faut pas m'en vouloir. Je l'entends gueuler de plus en plus et ça me fait chier. Hein? Je vais être sincère. Je suis pas quelqu'un de méchant d'habitude. Pas du tout, pas du tout. T'entends pas le voisin? Bah moi je l'entends. Et pour te dire, il m'emmerde. Donc voilà. Hein? Mais la torche est d'éclair? Non, la torche elle éclaire pas. Hein. Enfin, elle éclaire que quand elle est posée, sinon elle éclaire pas, je crois. Je suis pas quelqu'un de méchant, faut pas croire. Hop là. Hop là, hop là. Alors là, par contre, je pense que je dois atterrir dans le prolongement de la grotte qui est en face. Y a du monde? Ou pas? Y a du monde ou pas? Sincèrement, j'aimerais savoir. Si je pouvais éviter de me faire trucider, j'apprécierais. Ah, j'entends une araignée. Quelqu'un. Oh putain. Waouh! Ok, on éclaire tout. Rien ne viendra s'interposer entre moi et celle la mine que je viens de me trouver. Ah! Non! Oh putain de merde. Ça va, ils sont restés débiles. Oh. Mais qu'est-ce que... Ah oui. Putain de merde, pourquoi tu veux pas... Ok. Ok, on condamne l'endroit. Non! 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 Quoique, pourquoi je gueule? C'est que des zombies. Arrière! Arrière, j'ai dit, bande de salopes! Ils sont enculés, mais je t'apprendrai. Tiens, mange dans tes dents, salope. Voilà, un de moins. Un de... Ah! Ok, on se casse. Non, 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 il a pas entendu, il continue à gueuler, c'est impressionnant. Oh putain, ok, je retournerai pas là-bas, c'est mort. Jamais, plus jamais. Laisse-moi deviner, il fait nuit. Bah oui, c'est pour ça que les mobs sortent. Évidemment, c'est logique, je retournerai. Non, c'est... Oh. Oh putain. Tout va bien, tout va bien. Ok. Le jour est levé,
Les monstres vont cramer dans la logique. Manger un peu. Ah, mais si, mais attends, mais en hardcore, je la récupère, ma vie. Attends, je suis pas en hardcore. Mais... Option, difficulté, difficile, ouais. Ah, mais si, bon, si je la récupère, ma vie, c'est bon. C'est bon, mais fallait me le dire dans ces cas-là. Ah, je veux dire. Ok. Tac. On fait ça délicatement. Je tiens pas à me faire rect, encore une fois. Je pouvais éviter ce... Oui, non, là, ils peuvent monter, là. Ils peuvent monter, là, ou pas? Non, ça va, ils peuvent pas monter, ils sont débiles. Ils sont totalement débiles. Ah oui, mais non, mais ça va encore, hein. Pas trop. Hein. T'aimes bien me prendre des coups, toi. Hein. Mais oui, t'aimes bien me prendre des coups. Voilà. Voilà, je savais que t'aimais bien me prendre des coups. T'es un sadomaso, quand même. Un peu. C'est bon, il n'y a plus personne. Ok, on colle feu trop tout, rien à foutre. Personne ne passera jamais. J'ai dit. Oui, vous me l'avez dit, mais enfin, je pensais pas qu'en hardcore ça marcherait. Je pensais que ça marchait que dans la difficulté survie difficile. Je pensais pas que ça marchait en hardcore. Maintenant que je le sais, c'est intéressant. Là, il y a du chat. Oh là là! Putain, d'espèce d'enfoiré! Regardez-moi cette espèce de salopard de sniper. J'espère que t'es mort, saloperie. Là, par contre, une araignée, ça me plaît pas. Ok. C'est bien, j'ai du charme. Oh putain, la vache. Et je vous jure, ça fout les boules hein, quand on s'y attend pas. C'est bien, c'est bien. Moi, plus je suis blindé de charbon, mieux c'est. Hop. Je vous jure, je vais aller frapper à sa porte, je vais lui éclater les implants. Enfin, les implants, les implants, les... Merde, les oreilles, voilà. C'est pas possible. Je vous jure, il va réellement comprendre comment je m'appelle et qu'on me fait pas chier durant un live. Parce que bon, je veux bien être gentil, mais il y a des limites quand même. Ok, donc là, il y a encore du charbon. Là, il y a du fer. Il y en a encore un autre. Ouais, il y en a encore un autre au-dessus. Ça peut être intéressant d'y aller, mais si jamais je me fais shooter, je suis dans la merde. Donc, on va prendre des précautions, s'il vous plaît. Hop. Hop. Non, non, les zombies, cherchez pas, vous pouvez pas m'avoir. Je suis bien trop intelligent pour vous. Hop. Voilà, comme ça, là, déjà, je suis protégé. Surtout, je lâche pas le bouton shift. Jamais. Ah, ça y est, ils sont tous en bas, en train de se battre pour moi. Eh merde, j'ai plus de pierre. Tu penses sérieux hein? Sans déconner, avec tout ce que j'ai miné, j'ai plus de pierre. Foutaise que cela. Ok. Voilà, parfait. Je suis parfaitement protégé. La 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 la. Encore et toujours du fire, ça fait plaisir. C'est bon, il n'y en a plus. Ok. Maintenant je suis de nouveau protégé. Là-bas, il y a du. C'est curieux, j'entends un bruit de pas. Non, il n'y a rien. Hein. Non, de toute façon, il n'y a rien qui peut spawner, j'ai assez éclairé quand même, faut pas déconner. Je crois que j'entends des voix, peut-être. C'est possible, hein, c'est possible. Oh là, mais il y a aussi du charbon ici. Mais tout ceci m'intéresse. Ok. Hop, on y va doucement. Ok. Ici, c'est la même. Alors là, j'ai pas besoin de le faire, par contre. Mais... De l'autre côté, je serai obligé... Je crois qu'il y a du lapis-lazuli en bas. Le lapis-lazuli qui apparemment maintenant est important pour les enchantements de ce que je sais. C'est peut-être pas vrai, mais ce serait étonnant. Il y a... Ah oui, non, il n'y a que dalle en dessous. Heureusement que je creuse pas. Hein. Regardez-moi cette espèce de saloperie de creeper hein, en bas. Qui n'attendent qu'une chose, c'est que je me vautre. D'ailleurs, j'ai une question. Hop.
Déjà, une torche ici pour commencer. Deuxième chose que je me demande, à propos des options graphiques, ouais, si, la luminosité est vive, c'est parfait. Ok, ça, c'est cool. Alors. Ok, ça c'est bon. Je crois que j'ai vu un charbon se casser la gueule. Pas extrêmement grave. Ok, ça c'est cool. Je prends des risques là. Je le sais que je prends des risques. Mais bon, sans risque, on ne peut pas vivre, chers amis. Ce n'est pas possible. C'est là qu'il y a un gros creeper derrière. Bonjour, Ladyland 2305. Ou hola, comme tu le dis. Comme tu le dis si bien en espagnol. Taï, taï, taï. Ça se fait, ça se fait. Là, sans déconner, le voisin, tu as vite fermé ta gueule, je te le garantis. Si jamais vous pouvez me faire une pause pendant le live, c'est normal. C'est normal, ce sera pas une pause pipi. Non, pas du tout. Oui, le Willy Rage. Et alors quoi? Il y a un problème? Taille, taille, taille. Ok. Donc ça, c'est cool. Ok. Merde. Voilà. Je tiens pas trop à me prendre quoi que ce soit dans la gueule. Et j'ai assez de pierres pour sécuriser tout le schmilblick. Ok. Idem pour ça. Non, t'es sérieux? J'ai plus de pierres? Oh putain. Ok. Bon, bah j'ai pas de pierres pour sécuriser tout le schmilblick. C'est pas grave. On va faire comme si. Hein. Non, je vais pas me tuer. Arrête! Non, ah, tu vas le tuer. Oui, je vais peut-être le tuer, le voisin. Ça, c'est possible, par contre. Je serai en live, pour le coup. Ce serait pas bien pour me disculper, mais... Ça peut effectivement être drôle. Pour moi, pas pour lui. Pas du tout pour lui. ok, ça, c'est cool. Bon. J'ai commencé à extraire pas mal de charbon. C'est pas mal pour un début. Ah, pour un début de Minecraft, enfin pour un redébut de Minecraft, hein, je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors plutôt bien. J'ai suffisamment de charbon, j'ai suffisamment de bouffe. Ça le fait. Hop, 10 fer ici, j'en ai 7 autres ici. Ok, ça c'est cool. En attendant, avec le charbon de bois, on va se faire d'autres torches. Voilà, j'ai pas perdu les raccourcis. Ça c'est bon ici. Ici, il va commencer à faire nuit, j'ai l'impression. Oh, extrêmement grave. Alors, nous allons donc commencer à nous faire hop, des outils améliorés. À savoir ceci. Quand ça, ce sera quand ce sera mort, hein. Ceci, pour qu'on sache, ce sera mort. Toi, t'es censé aller là. Je pense que tu branles là-bas. Pof, pof. Une hache pour la forme. Voilà. Qui, elle, fait 9 de points d'attaque. Exactement comme ça. Mais qui a un peu plus de vitesse d'attaque. Ah, par contre, l'épée... Oui, l'épée est moins puissante, mais elle est plus rapide. Au niveau de la vitesse d'attaque. C'est intéressant. Toc. Ok. Ça, c'est cool. Je vais me faire un coffre. Faire un coffre parce que là je me sens un peu encombré quand même, je vais être sincère. Voilà. Quelque chose comme 4 coffres, ça devrait le faire. Excusez-moi, je me suis planté le bouton. Voilà. 4 délicieux coffres que je vais mettre dans ce coin-là. Parfait. Voilà, donc là ce sera les minerais. À savoir tous ces trucs-là. Là, ce sera tout le reste.
Et donc, je vais me faire un autre coffre spécial bouffe. Ah, par contre, les bruits des coffres ont changé aussi. Intéressant, ça. Qu'est-ce que je fais? Et donc, un petit coffre pour la bouffe. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est cool. Alors, ce que je voulais faire avec de la pierre, mais j'en ai pas assez, malheureusement. On va aller rechercher. Vous savez quoi, j'ai une caverne de pierre juste ici. Hop. Nous allons creuser. Creusons, creusons. Alors, sachant que là, mon objectif, hein, comme tout le monde le sait, c'est de me trouver du diamant. Ce qui risque d'être long. Très, très long. Sauf si jamais j'ai une chatte de cocu. Ce qui n'est pas impossible. On va voir ça. Alors ça, je suis à la couche combien là? 40 et quelques, je crois. Hein. X, Y, Z, ouais, c'est ça, 41. Tac. T'es gentil, tu te mets là. J'entends. Putain. Cette peur que ça m'a foutu. C'est impressionnant. Je disais, j'entends des squelettes. Je sais pas d'où ils viennent. Mais cela ne m'intéresse que peu. Pour le moment. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est de me faire les escaliers. Il fait nuit, c'est ça. Hein. Eh oui. Ok, donc là, de toute façon, personne ne peut passer. C'est très bien. Voilà. Voilà, fais-moi 28 escaliers. Là, normalement, je peux les poser sans trop de problèmes. Enfin, sauf peut-être là. Et merde, saloperie d'escalier. Ah, bordel de Dieu! Mais c'est pas vrai ça! J'ai essayé de me faire chier, c'est pas le jour. Entre le voisin qui m'emmerde, les escaliers qui me trollent, je suis bien parti, moi je vous jure. On va faire ça comme ça va être plus simple. Hop. Oui, les zombies vos gueules, vous pouvez pas m'atteindre, donc allez vous faire schtroumpfer, tout ce que j'ai à dire. Parfait. On redescend. La 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 la. Ouais, ça m'évitera de sauter comme un con. J'arriverai beaucoup plus facilement en haut. Parfait, magnifique. Ça c'est cool. Je vais reposer. Attends, attends, je vais mettre un coin spécial pour mon lit. Hop. On va déplacer ça là. Voilà. Je vais faire un petit coin chambre. Tac. Voilà. Magnifique. Mon petit coin chambre est ici et donc je vais me prendre mon magnifique lit en posant tout ce merdier au passage. Vous savez quoi? Rien que pour entendre les zombies cramer, je vais dormir. Cramé, bande de zombies dissidents. Pourquoi vous cramez pas? Non mais cramé, j'ai dit.
Bon, je sais pas, ils veulent pas cramer, écoutez. Il fait pas en faire tout un plat, hein. Ils veulent pas cramer, ils veulent pas cramer. Je vais pas les engueuler pour ça, même s'ils mériteraient. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette brave caverne? Tac, tac, tac. Putain, c'est vraiment pour protéger ici. Et bien sûr, j'ai posé toute ma pierre parce que je suis un boulet. Il y a du fer dans ce secteur ou pas? Là, non. Là, il y a du charbon. Taille, taille, taille. Là, il y a une chauve-souris. Non, bah écoutez, tant pis, moi je vais descendre, hein, comme j'avais prévu de le faire au départ. Voilà. On va descendre ici. Oui, c'est vrai, j'oublie, mais faut que j'apprenne à m'en servir de ça. C'est quoi cette... c'est quoi ce truc là? Du granit. Ah ouais, voyez-vous ça? Sûrement on avait entendu parler de ça aussi. Ah, je crois que ça a été rajouté à la 1.8 si je dis pas de conneries. Je dis, j'en suis pas certain, mais c'est possible. Plus que probable même. Oui, je sais, c'est la partie la moins intéressante de Minecraft, mais quand faut passer par là... Surtout quand on est en live, tu vois, on peut pas trop faire de difficile. Ça, c'est bon. Oh mon dieu, mais il y en a encore ici. C'est une vraie mine de charbon ce monde. C'est bon, il n'y a plus rien. Parfait. Toc. Oui, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Le granit attend 1.8. Merci de me le confirmer. Et le granit, ça a des propriétés particulières. Est-ce que ça résiste mieux aux explosions des creepers ou... Ou je sais pas, non, je pose la question comme ça, à moins que ce soit juste un nouveau bloc. Une nouvelle roche, plus jolie, plus belle, j'en sais rien. Et le temple sous l'eau aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des temples. C'est vrai qu'il y a des temples sous-marins, c'est... C'est exact, j'avais complètement zappé ça. Qu'est-ce que... Vous avez entendu comme moi, hein? J'ai... Oh putain, ça me fout les boules. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit, je sais pas ce que c'est. D'accord, le granit cuit, ça fait quoi? Du granit poli, si jamais je raconte pas de conneries. Ils sont déconnés, mais c'est quoi ce bruit? Quoi? Je crois qu'il y a un extraterrestre qui est en train de me parler. Il sera plus résistant et plus joli. Ça, c'est intéressant, ça. Ok, c'est décidé, je me casse de cette caverne aux horreurs. Ah! Je suis maudit! J'entends du bruit! Je sais pas ce que c'est et ça me fout les boules. Faites sincère. Ah! On se casse! Excusez-moi. Taïo! Je sais pas c'est quoi qui fait ce bruit, mais ça me fout les boules. Excusez-moi, mais bon, quand on entend des machins comme ça, j'ai pas vraiment entendu ce que c'était, en fait, mais ça fout les boules quand même. Ok, bon, 40 escaliers en plus, ça fait toujours plaisir. On va aller, hop, les mettre en bas. Je devrais pas être loin de la couche optimale pour le diams. Et merde. Bon, enfin. Deux autres blocs, mais je sais plus leur nom. En 1.9,
Deux blocs rajoutés dans l'end. Ça, c'est cool, ça. Re, Théo. Je savais même pas que t'étais parti, en fait. F3. Alors, F3. Je suis la couche 19. Je suis pas loin de la couche 12. Ça fait plaisir. On va continuer à creuser jusqu'à la couche 12, écoutez. Même si jamais je suis pas très en confiance. Ah, du fer, parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah, et du charbon en prime. Bah écoutez, si moi je tombe sur une mine, ça me dérange pas. Hein. Par contre, j'entends de la lave, et ça me plaît pas. Enfin, je crois que c'est de la lave. Et ça ne me plaît pas du tout. Je vais être sincère. Je suis oppressé, je sais pas pourquoi, j'ai peur d'un truc. Je sais pas, j'ai peur de quoi exactement, mais j'ai peur d'un truc. Je saurais pas l'expliquer, c'est assez bizarre en fait. Il fait pas noir chez moi. Bon, il pleut, mais ça c'est autre chose. Je comprends pas pourquoi j'ai peur de rien en fait. Je comprends pas tout, faudra m'expliquer. Oh là. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi j'avais peur. Des blocs, oui mais on n'a rien vu! Ah! On me casse moi pour ma part. Je resterai pas une minute de plus dans cette caverne aux horreurs. Juste pour avoir plus de place tout de même. Alors apparemment le granit est plus résistant que la pierre, c'est bon à savoir. Non, vous les zombies, vos gueules, je vous ai pas causé, fermez-la. En fait, il a vu quoi? Bah, j'ai rien vu, en fait. C'est ça, le problème. J'ai absolument rien vu, mais j'ai entendu une espèce de voix bizarroïde qui m'a dit des choses je sais pas, intraduisibles pour moi. J'ai pas tout compris. Donc, bon. Ou si bien, ça se trouve, c'est Robin, il m'a retrouvé. Pourquoi pas, écoutez. Ça dégage, ça aussi, ça se fait cuire. Ok, il va me falloir une autre pioche, voire même deux autres. Hop, les minerais, c'est là, avec ça de préférence. Taille, 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 bon, je peux foutre ça là-dedans. J'ai faim. Un peu parfait. Il reste 15 torches, ça devrait aller. Ça va aller comme moi, hein. Ce bruit n'est pas humain. Attends, c'est un villageois maintenant? Mais oui, putain, c'est un villageois. C'est une sorcière! Oh bordel! Et elle me demande comment je vais. Bah écoute, ça va, je vais bien, et toi? J'ai pas vraiment la foi actuellement, mais. Bon, ça peut s'arranger, tu sais. Moi, je suis pas compliqué quand même. Voilà, ça c'est mon territoire. Vous avez pas le droit de venir ici, bande de salopes. Non mais attends, mais c'est bouché ici. Ah, je suis dans le prolongement de la faille, d'accord. Ah oui, d'accord, en fait je suis en bas de la faille. Et il y a un zombie, parfait. Va te battre! Va te battre! Aïe, putain, est-ce que ton culé était pas censé pouvoir me toucher là? Oh, l'autre il a une pelle! Non, 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 tu m'auras pas avec ta pelle, salaud. Oh, le mec il a une pelle. Ok, donc là c'est bouché. Enfin, c'est bouché, presque bouché.
sais pas pourquoi je chantais un monstre qui va me venir sur la gueule. Ou alors il y a une caverne adjacente, je sais pas, mais en tout cas ça fout les boules. Moi. Voilà, je fous tout ça comme ça. Mais non, merde, c'est pas ça que je voulais mettre. Voilà, j'éclaire le secteur. Je l'entends, je sais pas où elle est, mais je l'entends. Voilà, nope, ceci est mon secteur. Access denied! Loupé. Couillon. Denied, motherfucker! Puis, fait mal en plus, ton cul. Alors tire, qu'est-ce que t'attends? Hein? Bah alors. Ah nickel, j'ai récupéré des flèches. Il faudrait plus que l'arc. Si la chauve-souris elle est démoniaque, elle me manipule le cerveau, je suis sûr. Je suis sûr et certain. On fait pas. Le zombie est coincé par les courants, normalement il peut pas venir. C'est de l'or que je vois. Oui, en effet, il est coincé par les courants, donc il peut pas venir. Ok, je suis à peu près safe. Enfin, quand je dis à peu près, c'est vaguement. Hein. Access denied, motherfucker. Denied, mais ça me dirait bien de te buter quand même. Eh, hey, hey, eh, écoute, écoute. C'est mon épée. Ok, on se casse. Ah. C'est juste pour le fer que je voulais venir au départ. Ok, il n'y a pas d'autre fer. Là, il y a de l'or. L'or, c'est intéressant. Cela dit, on va le miner en dehors de l'eau. Ah, mais il y a du fer ici, c'est magnifique. Curieux, j'entends un gros... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Fais gaffe que les mobs peuvent avoir des armures. Oui, ça je sais. Ça je sais qu'ils peuvent avoir des armures. Ça fait très longtemps dans Minecraft qu'ils peuvent en avoir. Ça, c'est pas une nouveauté. Ok. Alors, toi, tu me plais pas. Je vais être sincère. Donc, je vais faire en sorte de te barrer le passage. Et merde. Plus de pierre? Tu me blagues? Bon, j'ai ça. Hop. Hop. Voilà, parfait. Maintenant, je souhaite bonne chance pour venir. Bon, cela dit, si jamais il y en a qui spawn en hauteur, je l'ai dans l'os. Mais sinon, je souhaite bonne chance pour venir, toi. De toute façon, on est obligé de prendre des risques dans Minecraft. Hein. Ça, c'est indéniable. De toute façon, je vais en avoir besoin du creeper, parce que si je veux me fabriquer de la TNT, il va falloir... Ok, donc là, il y a encore du fer. Pas de panique, pas de panique. Surtout pas paniquer, hein. Regardez-moi cette espèce de piège à con, je te jure. Je me suis fait prendre dedans, c'est vraiment un piège à con, en fait. Malheureux, mais c'est comme ça. Hop. Il devrait y avoir de l'or, normalement. Voilà, parfait. Ok. Magnifique. Ok. Regardez-moi cette petite cascade, elle n'est pas sublime? Sublime, je vous dis, sublime. Ok, les mobs ne peuvent pas spawn dans l'eau. Là, je vais aller récupérer ceci. Et merde. Comment je peux faire pour... Écoute, fuck, voilà. Ah non, mais c'est une blague, attends. C'est dans une main, ça me le fait. C'est dans une autre main, ça me le fait. Il y a un moment où je dis merde. Ouais, c'est bon. On va de me faire chier. Voilà. Et donc maintenant. Tac, voilà. Et là quand tu veux. Saloperie. Elle est là-bas, cette salope. Je la vois. Espèce de grosse chiennasse, tu fais des bruits, mais il y a des bornes à la honte. Putain. Plein d'XP, plein d'XP, donnez-moi l'XP. I love XP. Putain, ça, par contre, ça en donne tellement. Faut aucun sens.
Cheater les armures, tu peux avoir un enchantement, tu peux marcher sur l'eau, il y en a un autre qui s'appelle Mending, tu tues les mobs, et avec l'XP, ça recharge ton armure et l'outil. Sérieux? Mais c'est pété ce truc! Moi ça me plaît. Tu penses? Si jamais je peux éviter de. Bon, c'est pas grave, je me recharge, hop. Toi, tu es démoniaque, toi, je sais que c'est toi qui as appelé la sorcière. Viens là, salope. T'as de la chance que j'arrive pas à te choper. Ok, alors attends, je suis à la couche combien là? Parce que c'est bien beau de faire le con, mais il faudra peut-être que je commence à bosser un peu quand même. Je suis à la couche 15, d'accord. Je suis pas vraiment à la couche 12 encore. La couche 12, c'est la couche optimale pour trouver du diamant. Certains me diront que c'est pas vrai. Moi, on m'a toujours dit que c'était comme ça. Et je vois pas pourquoi je mettrais ça en doute. Hop. Et toi, la sorcière, ta gueule. Donc, 14. Oh putain, mais c'est pas vrai ça. Non, mais c'est une blague. Ah bah oui, d'accord, c'est une blague, y a rien. Ok, bah, moi je dis oui. Donc là, un escalier ici, un escalier ici. Hop, un escalier ici, parfait. Oh, de la redstone. Vive l'XP, vive l'XP. Parfait. Alors, j'ai. Ouais, j'ai rien sur moi. Ok, on remonte. Yalo! Voilà, beaucoup plus rapide avec l'escalier, tu m'étonnes. Je te jure. Il fait nuit, évidemment qu'il fait nuit. Alors. Donc attends. Ça là, ça on va foutre ça là à cuire. Ici on va mettre le reste. Coffre à bouffe, on va mettre ça. Ici on va mettre ça, on va mettre ça. Taille, taille, taille. Ici on va mettre merde. Non, on reste là, toi. On va mettre ça. Là, on désite, ça reste là pour le moment. Je m'en tape. Ok, ça c'est cool. On va dépenser. Je peux rassurer quand il y a des mobiles extérieurs, mais on voulait pas. Voilà. Cramez, petit mob, cramez, je suis heureux quand vous cramez. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Faudrait que tu trouves un villageois avec Mending. Oui. Il faudrait déjà que je change de Stoira pour commencer. Alors, mais ça déjà, ça va pas être une mince affaire. Tac tac tac, j'ai envie de faire d'autres choses, moi. En attendant. J'ai pas encore totalement oublié tous les crafts de Minecraft. Je vous présente l'entonnoir. Ta 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 ta. Voilà. Comme ça, je mets des trucs dedans. Et quand je vide le four, eh ben ça se remplit automatiquement. C'est très bien. Ça me fait une petite file d'attente, c'est parfait. Alors, ça va là, c'est cool. Donc voilà, mon inventaire est vide. Je peux même prendre d'autres bouts parce que j'ai pas grand-chose. Peut-être falloir que je sorte pour les niquer d'autres trucs. Ou alors que je déménage d'endroit, ça peut marcher aussi. Mais j'aimerais bien trouver du diamant. N'oublie pas de te faire une armure. Oui, enfin, l'armure pour le moment, c'est pas extrêmement. Oh putain, merde, j'ai zappé les escaliers, quel con. L'armure, comme je disais, pour le moment, c'est pas ce qu'il y a de plus nécessaire. Parce que là, je suis juste en train de miner. Je fais gaffe aux mobs et tout le merdier. Et ils peuvent pas spawner vu qu'il fait assez jour. Donc l'armure pour le moment ça va. Mais d'ailleurs j'avais entendu une rumeur. Alors j'ai jamais essayé mais est-ce que... Ah non non les armures en bois c'est... Non. D'accord. J'avais entendu une rumeur, je voulais voir si c'était vrai. Moi des escaliers que je voulais. Voilà. Allez. Level 13, level 13 c'est bien. J'aime les levels. Hop, hop, hop. C'est bon, ici, il n'y a aucun risque que ça spawn. Et là. Ok, là, il n'y a aucun. Non, là, il n'y a aucun risque que ça spawn. Ok, tout va bien. Va bien. Je vais juste vérifier si jamais je gardais cet endroit intact ou pas. Si jamais je le bouchais. Hein, parce que oui, moi, je bouche. Quand ça me plaît pas, je bouche. C'est tout. Hein? Mais qu'est-ce que.
J'avais mis de la pierre ici. Qui a enlevé la pierre? Là est la grande question que je me pose en fait. Qui a enlevé cette saleté de pierre? Je suis certain d'avoir mis de la pierre. Oh putain. Je panique, je panique! Hop, non, elle est pas là, ma carrière. Ma carrière! Elle est là, ma carrière. Peut-être un Enderman qui te l'a piqué. Un Enderman m'aurait piqué justement ces trois blocs-là? Ils font chier, ces connards. Sans déconner, ils peuvent pas s'occuper de leur truc. Pas s'occuper de leur cul d'Enderman, là. Carré, noir et dégueulasse. Ouais, sans déconner. S'occuper de leur cul, un peu. Ouais, je vous jure, on n'est pas aidé. Hein. En même temps, c'est des Enderman. Ils sont pas là pour m'aider, ils sont là pour me pourrir la vie. Toc. Hop, c'est pas grave, je vais régler ça. Je crois que si jamais c'est la sorcière qui m'a piqué mes blocs, mais garde à son cul. Ça, celle-là, je veux pas la lâcher. Voilà. Et donc... Voilà, parfait. Ça, c'est cool. Donc, je suis bien à la couche 11. Merde, je voulais être à la couche 12, donc la couche 11, c'est pareil. Toc, toc. On va boucher un peu le tout, quand même, pour que ça fasse un peu plus joli. T'es censé boucher, toi. Voilà. Ok. Donc là, chers amis, à la recherche du diamant. Il y a un trou ici. Pourquoi il y a un trou? On ne sait pas. Ça doit être moi qui l'ai fait. En voulant récupérer la redstone. Ce qui paraît logique. Du fer, parfait. Mais je réfléchis à sortir de plus en plus parce qu'il va me falloir de la bouffe. J'en ai pas des masses en fait. Hein. Donc je vais récupérer tout le fer et je pense me faire une armure. J'aurais bien aimé trouver du diamant direct, mais bon, on peut pas tout avoir. Hop. J'aimerais bien trouver de la lave aussi. Serait possible de trouver un peu de lave? Ou pas? Ah bah, non bah tiens. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. J'aurais pas eu besoin de creuser longtemps. Un diamant. 2, 3, 4, 5 diamants. J'aurais pas pu rêver mieux. Ça me permettra de me faire une pioche et une épée. Et donc de la redstone. Ça, je m'en tape un peu de la redstone en fait. Ok, bon, on remonte. Moi, pour le hall, j'ai eu ce qu'il me fallait. Pas besoin de plus. C'est bon, c'est resté? Ouais, c'est resté. Allez, yolo. Ok, donc ça c'est cool. Donc là, ça va être fini de cuire, très bien. On va foutre ça dans les minerais. Maintenant on met ça là, tac tac tac, ça va là. Voilà, la redstone elle va ici. Alors le diamant. Et un diamante. Taille taille taille. On va faire ça comme ça d'abord. Une petite épée en diamant. 7 points d'attaque, c'est encore plus faible que la pioche, mais que la hache, pardon, mais c'est tout de même beaucoup mieux. Et donc, une pioche, justement. Il y a aussi de la betterave. De la betterave et des radis en 1.9, t'es sérieux? Mais ça remplit pas beaucoup. Oh bah écoute, toujours bon à savoir, moi je dis... Ok, donc, alors, ça dégage, ça je garde pour le moment, ça je garde aussi, ça par contre ça dégage, ça je garde, ça dégage, ça dégage, ok, ça c'est bon, ça c'est cool, moi je mets ça ici. Une petite épée en fer, ça peut toujours servir, de même qu'une pioche en diam, si jamais j'arrive à me trouver de l'opsy, ça peut toujours me servir. Et donc, on va commencer à se faire un semblant d'armure. Voilà. Alors, un semblant d'armure.
ceci. Toc, toc, ok. On va s'équiper comme on peut. Comment on fait des... Mais non, mais moi, c'est pas ça que je veux. Je le veux pas là, pour le coup. Comment on se fait des boucliers? Je sais pas. Attendez, excusez-moi, chers amis, je sais, le jeu est en pause. Je regarde. Je regarde, m'en voulez pas. Toc, toc, toc. Alors, un bouclier... Je sais que les boucliers, ça bloque les flèches. Et donc, ça m'intéresse, vous pensez bien. Un boubou Minecraft. D'accord, donc 4 planches de bois et un truc de fer. Ça va, ça le fait. Hop, voilà, je suis de retour. J'ai du bois, oui. J'ai du fer, oui. Attends, c'était comme ça? Merde, je les appelle craft. Oh, fais chier. Ah, je suis vraiment pas doué, moi, je te jure. Oh, écoutez, on va regarder dans l'historique. Voilà, bouclier. Allez, hop! Ah, oui, d'accord, c'est comme ça. Ok, toutes mes excuses. Je vais juste en rajouter un ici. Ok, j'ai mon boubou, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, attendez, excusez-moi, parce que, pour le coup, j'ai pas viré ça. Ça fait que je vois plus le chat, en fait. Oui, je peux sans doute le personnaliser pour le moment, ça m'intéresse pas trop, je vais être sincère. Un petit boubou en bois, ça me convient très bien. Ok, donc là, hop, je peux parer si je le souhaite, avec l'épée. Je suis bien. Je suis bien, je suis bien. On va se prendre le reste de la bouffe que j'ai déjà sur moi, je m'étais déjà préparé, très bien. Hop, hop. Voilà, toi tu te mets là. Alors... Que je note mes coordonnées de ma grotte. Excusez-moi, j'écris, j'écris. Vous ne voulez pas? Je sais un peu écrire quand même. Grotte. X, Y, Z. On n'a rien fait de mieux pour ne pas perdre les coordonnées de nos jours. Alors, 391,149. Donc on va dire 391. Voilà. La couche, c'est 62. Et donc en Z, c'est moins 227. Parfait. Ça, c'est fait. Tu ressembles à un barbare. Je suis un barbare, qu'est-ce que tu crois? Sans déconner. Celui qui dit je suis pas un barbare, il est pas... il voit mal, c'est pas possible. Voilà. Je vais en profiter pour me compléter l'armure. Hop. Parfait. Le petit casque qui me manquait. Magnifique! Maintenant, je ressemble vraiment à un barbare. Hop, il fait jour, il fait nuit, il fait jour. Enfin, pour le moment, je peux l'enlever, le boubou, tu me diras, mais... Bon, je préfère le laisser, je préfère le laisser. Pour le moment, c'est pas ce qui me dérange le plus. Il y a un cochon que je tiens à laisser en vie. Tous les cochons qui sont là, je les laisse en vie, je pourrais m'en faire un élevage plus tard. En revanche... La poule, toi, j'ai pas dit que j'allais te laisser en vie. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais il y a une plaine ici! Oh putain, je vais déménager, je vais aller me foutre dans la plaine. Mon bol est steak. Regardez-moi ça, il y a une petite île. Oh, c'est magnifique! Je kiffe ce jeu, vous savez quoi? Je pense que pour le coup, les cochons, je les ramènerai là-bas. Je vais déménager là-bas. Je vais... Il commence à faire nuit, il fait chier. Ok, ça, c'est pas de chance. Il commence à faire nuit, c'est pas cool, c'est pas cool. Aïe, c'était ma jambe ça. Ok. Aucun homme ne devrait rentrer dans la logique. Voilà, parfait. Alors, Toc, toc, toc. Je vais, dès à présent, prendre toutes mes ressources. Ainsi que... mes coffres. Voilà. Je vais me prendre tout ça. J'aurai pas assez de place, je sais. C'est pas extrêmement grave. Ah, si. Ah, si, presque. Et donc ça. Parfait, je reviendrai pour le reste. Après. Ok, bah écoutez, moi il y a une petite île à proximité, hein, je dis pas non, tu vous pensez bien. Je l'avais même pas vu en plus, vous savez quoi? Oh, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est magnifique.
Là, il y a encore des petits cochons. Ça fait plaisir. Je m'en tue un pour la forme. Faut bien qu'on prenne au sérieux, quand même. Un peu. Hop. Bah non. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus de cloche. Je suis débile. Ok, qu'est-ce qu'on va acheter? Il y a une fleur. Il sert à que donne. Hop. On se casse. Ça, c'est bon. Alors. Alors, je sais qu'en mode hardcore, les mobs, notamment les zombies, peuvent casser les portes. C'est pour ça que je vais essayer de me faire un truc sans porte. Avec une entrée souterraine, je sais pas où. On va voir. Ah, il y a des vaches. Oh putain. Et juste sur mon île en plus. Vous savez quoi? C'est magnifique. Je sens que je vais m'éclater moi ici. Ok. Bon, je pensais désherber un peu la zone, mais... Ok. Donc ma maison va être là. On va être là. Est-ce que j'ai suffisamment de bois? Non. Par contre, j'ai suffisamment de pierre. Pour moi, ça va être un bloc tout ce qui est le plus basique. Hein, niveau maison, franchement. Voilà. En mode normal, il casse les portes. What? Comment ça? Non, mais c'est une blague. Attends. Comment ça me casser les couilles, toi? Je vais être sincère. Voilà. En mode normal, il casse les portes? Bien sûr que non. Enfin, pas de ce que je me souviens, tout le monde. Moi, je sais, pour le moment, ma maison ne sera pas jolie. Ça, je vous l'accorde. Hop. J'ai plus de stone. Hop, voilà. Ah d'accord, ok, bah c'est bon à savoir, je ne savais pas que finalement il pouvait casser les portes. Moi j'en étais resté à la version où il pouvait pas casser la porte. Donc là normalement si je viens là, je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer, ça m'emmerde. Rentre, j'ai dit, voilà. Parfait. C'est un peu risqué, les araignées peuvent m'emmerder, il va falloir que je... Alors que j'invente un truc contre ça. Taille, 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 je sais. Je sais ce que je vais faire contre les araignées. Je dois avoir assez de bois pour une petite table de craft. Il doit me rester assez de pierre, normalement. Oui, un peu quand même. Ok. Hop. Ça c'est cool. Il me reste des escaliers? Oui. Parfait. Magnifique. Voilà, la bonne vieille technique pour se protéger des araignées. Elles ont beau pouvoir grimper au mur, elles ne pourront pas grimper là. Ouais mais les portiques c'est pas ce qui m'intéresse parce que les squelettes, eux, ils peuvent me shooter par contre. Et merde, j'ai plus assez. Ouais, c'est moins joli, je sais. Mais bon. Ou bien que je fasse quelque chose pour me défendre contre les araignées. Pas trop chaud. Hop. Et merde, j'ai toujours pas assez, mes coups. Il y a moyen de... Non, ça marche pas, ça. Ok, bon. Ce que je vais faire, je vais poser mes coffres. Voilà. Les coffres, je vais les mettre quelque part ici. Hop. Ça va être le coffre à émeraude. Même si jamais il n'y a pas d'émeraude, je vous l'accorde. Toi, tu restes là. Ok, là ça va être le coffre à cube. Toc, 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 toc.
ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Toi, tu restes là. Oui, une porte en piston, ça pourrait éventuellement le faire, mais il faudrait que je marche sur une plaque de pression. Et les mobs peuvent marcher sur la plaque de pression, ce qui n'est pas très cool pour moi. Ok, hop. On retourne à la maison. Parce que moi, il n'y a que des portes à piston, enfin à piston avec une plaque de pression que je sais faire. J'avais fait un tuto une fois, enfin j'avais fait un tuto où je vous avais montré, je sais plus. Oui, ou un bouton éventuellement, moi ça me fait chier d'appuyer sur un bouton, je vais être sincère. Étant donné que je suis une grosse feignasse, les boutons je les aime pas. Bon, je voulais pas, c'est comme ça. Tac tac tac. Alors. Il me semblait pas que c'était silence la dernière fois que je suis venu. C'était il y a même pas 10 minutes, sans déconner. Hop! Yolo! Ok. Mais oui, c'est possible que je fasse. Que je fasse ça. Ça peut être drôle. Vous pouvez dormir que durant la nuit. Ok. Tout ça, c'est bon. Ici, je vais essayer de récupérer tout de même. Bonjour, Tommy Sky. Récupérer un peu tout. Donc là, du coup, j'éclaire plus, c'est risqué. C'est assez risqué de ne rien éclairer. Hop, c'est pour ça que je me casse. Beaucoup de bouffe. Voilà. Voilà. Ah! Me fais pas chier pour les autres. Ah, bah dis donc. Je t'en prie. Quand tu trouveras un autre diamant, pense à faire un bouclier avec. Ah bon, on peut se faire des boucliers en diams? Bah ça, je savais pas, sinon je l'aurais fait direct. Oh mon Dieu, on me dit jamais rien. Hop. Voilà. Là, les mobs, vous pouvez faire je trompe fait pour venir. Oh, putain. Voilà, j'ai cru que c'était. Ouf. Curieux, mais là j'ai pas confiance par contre. Ok, alors ça dégage, ça vient là, ça vient là. Ah non, voilà, c'est bien ce que je pensais, on peut pas. Alors non, je ne suis pas sur un serveur. Je ne joue pas du tout sur un serveur. Je joue sur une partie solo. Je découvre les nouveautés de la 1.9. Enfin, les nouveautés qui sont déjà présentes pour beaucoup de personnes depuis un moment, mais pas pour moi. Oh, putain, soirée. Je t'ai pas vu. Hein. Vas-y, viens, viens, t'attends quoi? Vas-y, viens, t'attends quoi, connard? Viens, je t'ai dit, je t'attends! Bon d'accord, il veut pas venir, tant pis. J'aimerais bien pouvoir dormir, mais bon, a priori, je pourrais dormir dans ma nouvelle maison, ça marchera aussi. On voit pas encore les étoiles, donc j'ai le temps. Ok, on se casse. On se casse! Vu des cochons. Les cochons là, du coup, je voulais les égouiller parce que. Bah, du coup, j'ai toute une colonie là-bas. Et merde, non, non, reviens là, toi. Reviens là, j'ai dit. Saloperie d'emmerdeur. Obligé de courir après en plus. Ça, c'est fait. La 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 la. Là. Ah non, je crois que c'était un cochon, mais non, c'est un arbre en fait, je suis con. Moi. Les poulpes, de ce que je sais, on peut pas les manger, à moins que, j'ai pas vraiment vérifié ça. Poulpe, pété, pété, putain, la nuit commence à tomber. Non, 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 mais les poulpes, venez là, viens là. Non, c'est pas ce que je pensais, on peut pas les manger. Ok, on se retire dans notre cabane, vite, très, 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 très vite.
Là, du coup, ça va commencer à spawner et ça me plaît qu'à moitié, vous voyez. J'ai pas éclairé. Voilà, maintenant j'ai éclairé. Fou, je me sens déjà un peu mieux. Ok, hop. Ça, c'est fait. Donc là, techniquement, je suis tranquille. Les mobs ne peuvent pas sauter. C'est ce que je sais. Hein. Donc là, c'est bon, je suis tranquille, je suis peinard. Je peux pas poser. Ah si, là, je peux. C'est creepy. M'en veux pas, hein, je suis un peu de serrer la main. Hop. Pouf. Et pouf. Voilà. Je devrais repérer ma maison d'assez loin. Là-bas, il y a Scully. Il y a Scully, Scully. Hop, on va se mettre notre lit ici. Mais j'ai eu peur. Allez. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, taille, taille, taille. Donc, du coup, mes autres coffres. Hop. Toi, je t'ai mis là, j'ai eu tort. Pouf, pouf. Ici. Donc, ici, on va mettre tout le reste. Tout le merdier dont je n'ai pas besoin. Toc, 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 toc. Pouf. Voilà. Donc là, il me faut ça. Il me faut ça. Il me faut ça, évidemment. Il me faut ça. Et il me faut ça aussi, logique. Pouf. Mais qu'est-ce que... Oh, putain. Pas vers le mur, espèce d'andouille. Vers ça. Crétin désir. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, ok. Ce sont les cubes. Pourquoi il y a de la nourriture là-dedans? C'est pas censé être là-dedans, ça. Ça non plus, d'ailleurs. Ça va être dans tout le reste. D'accord. Une deuxième table de craft. Je sais pas à quoi elle pourrait servir, mais je l'ai fait, donc vas-y. Taille, taille, taille. J'ai du bois. J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Parfait. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, il va me falloir du bois. Creeper est toujours là? Comment ça va, Creepy est parti se balader, j'ai l'impression. J'espère. Tout va bien. Hello! Ça me fait un peu mal, mais bon, qu'importe. Un peu de bois pour la fin. Oui, t'inquiète pas, va vache. Bientôt, tu seras domestiqué et tu t'accoupleras avec tes frères et tes soeurs. Plutôt avec tes fils et tes filles. Hop. Ça c'est bon. Ah, ça a pris. Ok, donc ça c'est fait. Hop. C'est vrai qu'un village, pour moi, ce serait l'idéal. Je pourrais trouver des carottes et tout pour les cochons, ce serait génial. Malheureusement, ce n'est pas ce qui va être le plus facile à avoir dans les temps actuels. Ok, j'ai 20 bûches. C'est bizarre ce que t'as dit, la vache. Elle m'a rien dit, la vache. Je sais, je suis fou, mais pas à ce point, quand même. Comment on fait des barrières, déjà? Je sais plus. C'est pas comme ça? Non? C'est comment? Comme ça? Non, ça, c'est des portillons. Ça, c'est les portillons. Donc, est-ce que c'est comme ça? Non, ça, c'est les trappes. Ou alors, est-ce que c'est... Ah oui, c'est comme ça. Hop. Voilà, une trentaine, ça devrait aller pour le moment.
m'a rien dit, la vache, enfin que je sache. D'accord, donc je vais mettre ça là, hein. Écoutez, on va pas mettre ça trop loin, ça sert à rien. Voilà, on va déblayer un peu le secteur. Alors, mesdames les vaches, si vous aviez l'amabilité et l'extrême gentillesse de vous foutre dans cette espèce d'enclos, ce serait gentil. Moi, bon, je pense que ça, c'est un enclos assez grand. Alors, mesdames les vaches, étant donné que là, pour le moment, l'enclos n'est pas fermé, tu veux bien te... Oui? Ah oui, ah, c'est cool, ça. Vas-y, saloperie. Non, mais sans déconner. Oh, salope. Oh, salope, tu fais quoi? Je t'ai demandé d'aller là-bas. D'accord. Ok, les vaches sont dissidentes. Toi, tu n'es pas très dissidente, toi. C'est bien, toi, t'es une bonne vache. Voilà, tu restes. Reste là, salope. Au revoir, Ignace 22. Alors. Pour le moment, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas de blé. Pour accueillir les vaches, ça va être short. Soit dit, j'arrive à en piocher ne serait-ce que deux, soit déjà un progrès. Donc toi, madame la vache, s'il te plaît, tu vas là. Merci, tu bouges pas. Non, t'as Dieu, mais c'est qu'elle rivalise avec moi, cette salope. Non, mais reste là, salope! Plus de sol, pute de ta mère, hein. Voilà, j'espère que t'es contente comme ça. Putain, je... Ok, bon, changement de plan, il va falloir que je... Il va falloir que tout ça, ça pousse. Alors, excusez-moi pour ce... cette légère indélicatesse en ce qui concerne les vaches. Font chier ces salopes, tout ce que j'ai à dire. Hop, alors. Et il est temps de cultiver. Bah ouais, tu m'étonnes. Hop, je vais juste enlever ça, parce que ça m'emmerde. Voilà. Taille. Alors, les graines, j'en ai déjà 7. Ça devrait se faire. Hop, je crois qu'il en reste encore un peu ici, ouais. Toc. Pour le moment, ça sert absolument à rien de terminer l'enclos. Ouais, quoi qu'il y a déjà un cochon dedans, ça peut être bien. C'est juste pour terminer. Il y a déjà un cochon dedans. J'aimerais bien des vaches, moi. Ce serait possible ou pas? Bah, de toute façon, tu me diras. J'ai pas assez de barrières pour tout enfermer. Juste, je regarde un truc. Attendez, excusez-moi. Ouais, c'est ça. J'utilise 10%. Allocated 13%. Hein, il va falloir que j'alloue un peu plus de mémoire à Minecraft, moi. Ça lagouille légèrement, par moment. Hop. Et merde, saloperie. Parfait. Très légèrement, oui. Oh la vache. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, d'autres... Hop. D'autres barrières, parfait. J'en ai 14, j'ai de quoi finir. Du coup, il me manque juste le blé. Le blé qui pousserait si jamais j'avais de la poussière d'os, chose que je n'ai pas, évidemment, parce que ce serait trop beau, sinon je n'ai même pas d'os. Tout ce que j'ai réussi à récolter, ce sont des flèches. Bah, tu parles pour aller loin avec ça. Hop. Alors attendez, juste, excusez-moi. Sauvegarder et quitter. Eh bien, chers amis, voilà, j'ai redémarré donc mon Minecraft pour régler les différents lags qu'il y avait. Et j'ai totalement oublié de relancer la vidéo quand j'ai repris le live. Donc bon, c'est pas très grave, vous avez pas perdu grand-chose. Rassurez-vous. Donc bon, moi je cherchais un village de villageois. Je cherchais un village de villageois. Là, il y a des cochons qui vont mourir. Pour la beauté de mon ventre. Parce que oui, quand j'ai faim, j'ai faim. Comme tout le monde d'ailleurs. Hop, toi tu t'en vas, merci. Piggy. Ouais, je me disais aussi qu'il y avait un piggy ici qui se cachait. Oh, mais il y a une grotte ici. Intéressant. Avec du charbon. On n'a jamais assez de charbon. Sauf quand on en a deux doubles coffres pleins. Sinon, on n'en a pas assez.
Pas l'air. Putain, mais il y a une vraie colonie de cochons là-bas, c'est pas possible. Je pourrais jamais tous les exterminer, ma parole. D'accord. Alors. Attention, on s'approche doucement. Doucement. Aïe! Quatre feuilles! Ah, il y a un creeper, on se casse! Non mais, run, connard, run. Oh, putain, vachement, en fait, il y a beaucoup de trucs ici, c'est intéressant. C'est quoi, on va pas se casser tout de suite. Peut-être un peu paniqué en faisant le creeper, je vous l'accorde. Voilà. Toujours un peu de charbon, ça peut faire plaisir. Si jamais j'ai la nourriture à faire cuire en route, au moins j'aurai le charbon nécessaire. Ah, il y a aussi du fer. Ok, ben on se casse, j'ai plus rien à faire ici, j'ai ce qu'il faut. Ça c'est fait. Toi, tu meurs pour la beauté de la science. Parfait. Ça c'est cool. Là il y a encore plein de cochons, plein de petites fleurs aussi. Pas là, là il y a des poules. Qui dit poule dit œuf. Et qui dit œuf dit omelette. Enfin, dans un jeu normal, ce serait des omelettes. Là, ce serait des, là, ce sera des poussins, si jamais il y a des œufs. Ok, j'en ai 45, ça doit suffire. Alors, voyons voir, voyons voir. Là, il y a des poupoules. Qui dit poupoule dit non-œuf, dans la logique. Dégage-toi. Dégage, poule, pas la con. Alors, est-ce qu'il y a des non-œufs là? Oui, il y a des non-œufs. Faites-moi d'autres, mon œuf. Bande de poupoules dissidentes. Mon œuf. Les poules, ça, je les extermine pas, c'est parce qu'elles peuvent me donner des œufs. Quand je repasserai, aussi bien, il y en aura, donc... Aussi bien, moi, je les laisse. Pour le moment, tous les mois. Quand j'en aurai fini avec elles, je les torturerai et je mangerai leur boyau. D'accord, donc ça, c'est bon. Ouais. Tout. Pouf, pouf. Ça c'est cool. On va aller visiter un peu le coin, hein, écoutez. La nuit arrive, mais qu'importe. Ah mais, non, 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 mais putain, bordel de cochon de merde. Tu vas rester là, oui. T'es même pas intelligent en plus. Voilà. Un cochon intelligent serait qu'il ne faut pas me fuir, mais m'affronter. Le premier cochon qui essaie de m'affronter en duel, je lui laisse la vie sauve pour son courage. Les autres, je les extermine. J'ai plus de bouffe. Je pense qu'on va retourner à la maison quand même, parce que je suis pas très... Non, vraiment, pas du tout rassuré d'être dehors la nuit. Voilà. Là, il y a une araignée. L'araignée... Je vais me la faire parce qu'il me faut du fil. Viens là, salope, je t'attends. Aïe. Non. Oh! T'as fini, oui? Elle me donne pas le fil, je te connais, hein. Tu peux y aller. Plus de rodine. Ah, là, il y a un squelette. Qui dit squelette dit poudre d'os. Aïe, saloperie. Ouais, ok, non, je suis clairement pas équipé en ce cas. Enfin si, je suis équipé plus que largement même, mais bon. Je tiens pas... Ah! Non, non, non. Va te faire foutre, je sais pas où je suis là, j'ai pas souvenir de l'avoir passé ça. Ok, je suis sûr que je dérive, mais c'est pas grave.
Par contre, les squelettes, du coup, ils tendent plus leurs bras en permanence. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un coup pour un coup, c'est ça? Mais attends, ça peut s'arranger, tu sais. Ah, oh, j'ai une tête, je crois. T'en vas, merci. Ok, jusqu'ici, je m'en sors bien. J'ai eu un arc. Non, par contre, j'ai eu des os. Ça, c'est intéressant. Là, il y a d'autres squelettes, je m'en tape. Voilà, merci. Du coup, j'ai pas eu de tête. Il me semble avoir une tête. Ah bah non. A priori, non. Par contre, pour le coup, j'ai un bouclier, donc on va pas s'en priver. Et du coup, ça me fait quoi? Ah, c'est ça, en fait, ça j'arrête. Allez-y, allez-y, battez-vous, hein, moi. Et non! Et non, et non, et non, et non, et non, et non. Bon, par contre, ça commence un peu à faire beaucoup. Et être sincère. Nope. Putain, je me fais violer, je me fais violer. Il se casse. Oh non! Non! Bon, bah voilà. Vas-y, je vais devenir spectateur. Spectateur de mon propre monde. Je suis dégoûté. J'ai pas moyen de revenir? Non, mais t'es sincère? Putain! Fais chier! Bon, bah, mes amis, dans un prochain live, on essaiera pour le coup de survivre. Eh, je me suis fait niquer au bout de 2 heures, quand même. Hein. Moi qui avais jamais fait ça, vous savez quoi? C'est un record. Oh, putain, je suis dégoûté. Ça m'emmerde au plus haut point. Je suis mort comme une grosse merde. C'est pas grave, c'est pas grave, écoutez, c'est la machine Minecraft, on n'y peut rien. J'ai un peu la haine, mais bon, on fera avec. J'étais où d'ailleurs? Je sais même pas où j'étais. J'étais pas là. Ah, je crois que j'étais par là. Si je dis pas de conneries, je me suis fait chouer comme un caca là-bas. Ou tout du moins dans ce coin-là, je pense. Si je raconte pas de la merde. Ça doit être ça. D'accord, alors je sais pas où j'ai perdu mon stuff. Apparemment, j'étais pas là. N'empêche, il y a 2 squelettes, mais ils m'ont démoli la face, quoi. Ça fait aucun sens. No sense. Ok, bon bah tant pis. Tant pis, voilà, très chers amis, ce live va à présent s'arrêter parce que je suis une grosse merde. Et que je suis mort. Comme un lamentable caca dans Minecraft. Oh. Oh, ça c'est intéressant ça. Vas-y, descends. Voir ce qui se passe en dessous. Comment profiter des glitches? Eh ben voilà, c'est nickel. Alors qu'est-ce qu'il y avait par là, dites-moi? Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à tous les coups, hein. Il y avait du diamant? S'il y a du diamant, j'arrête. S'il n'y a pas de diamant, je continue. Il n'y a pas de diamanté dans le secteur? Non? Non? Je peux aller dans la lave? Oui, je peux aller dans la lave, parce que fuck. Voyons voir. Là, je sais que là, il y a de la lave, là. Mais il n'y a pas de diamant, t'es sûr? Tant que je vois pas de diamant, j'arrête pas le live, hein, rien à foutre. D'accord, je suis sous la bedrock, admettons. Voyons voir, là, il y a de l'or. Qui dit or, dit peut-être diamant. Ok, bon, bah, je vois pas de diamant, tant pis. Tant pis, tant pis, c'est la dure doigt de... On doit d'avis, hein, finalement, on n'y peut rien. Là, il y avait de l'or. Là, il n'y avait que dalle. Là, rien non plus. D'accord. Bon, bah, très chers amis, voilà, c'est sur ces belles images de moi qui traverse les murs que cet épisode va s'arrêter. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Donc, ah, s'il y a du diamant, là. Voilà. Sous la lave, je pense qu'il n'y a pas de trouver, mais il y a du diamant. Ben, c'est là, je suis dedans. Rien à foutre. Donc voilà, chers amis, j'espère que ce premier épisode du sel vous aura plu. Donc sel est égal à série en live. Hein. Si vous souhaitez que j'en fasse d'autres, dites-le moi, sachant que moi, il y a de grandes chances que j'en fasse d'autres. Et pour le coup, j'essaierai de survivre un peu plus longtemps que ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc voilà, moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine. Il est où le diamant? Mon diamant. Mon diamant! Diamant, ah, il est là, le diamant. Ah, diamant.